Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, boyfriend versus ex-boyfriend. Mais comme nous, on est mariés, ça sera husband versus ex-boyfriend. En gros, je vais poser des questions à Shai pour savoir, par exemple, qui entre moi et son ex est le plus beau, est le plus romantique, est le plus... Voilà. Et du coup... Il y a deux verres. Il y a un qui est orange, il y a un qui est rouge, bizarre. Ça, c'est son ex et ça, c'est moi. Mais je sais pas, je pense qu'il faut que je ramène la bouteille parce que je pense que pour moi, là, ça va finir avant que les questions ne finissent. Thierry. Bon, les amis, c'est parti. Jingle. Avant de commencer, si tu passes par là, c'est la première fois que tu passes par là, abonne-toi, partage, like, commente, active la petite cloche et suis-nous sur nos réseaux Instagram. Moi, je suis Snapchat, je vous mets tout ça en bas. Sur Snap et sur Instagram, retrouvez-nous là parce qu'on passe franchement toutes les journées là-bas et tout. Donc les gars, on va commencer. Première question. Qui est le plus gentil? T'as réfléchi longtemps, hein? T'as bu petit, hein? Faut boire au degré de gentillesse. Mais c'est pas beaucoup, si Floré. Moi, je suis pas gentil. J'ai imaginé gentil. Ok. Qui a le meilleur style vestimentaire? Qui s'habille mieux? Attends, je regarde, je pose, je dépose les deux photos pour voir. Ah, ça va. Marie. Non, en fait, toi, tu as un petit truc quand tu t'habilles, tu vois. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est juste qu'en fait, toi, tu as un petit truc que tu rajoutes dans ton style. C'est ça qui m'attire. Donc du coup, entre nous deux, lui, elle s'est dit qu'il a un style. Il a un style, il a son style. Là. Sinon, j'allais pas me mettre avec lui. Ah, s'il te plaît, je sors pas avec n'importe qui. Hein. Qui est le plus drôle? Mais chacun son... comment on dit? Chacun a son degré de... drôle. Bon, son degré est plus pour moi, c'est pour qui est plus, qui dépasse pour moi. À la santé. À la santé. Non, Floré, il est grave drôle. Mais en fait, le truc, c'est que lui, il est drôle à sa manière. Mon ex, il est drôle à sa manière. Mm-hmm. Mais après, toi, franchement, t'es vraiment drôle. Mais donc, pourquoi tu hésites en train de dire non? Ça dépend des degrés. Mais ça dépend des degrés de la rigolade. Toi, par exemple, là, tu fais. Chaïma, tu réfléchis trop. Oui. Ok. Qui est le plus intelligent? Si ça suffit pas, faut dire j'ai rempli le verre ou quoi. Ça va. Mais un petit peu lui aussi. Mais on dit qu'il y a le plus. Bon, toi. Du fond, bois, ça a remplacé ce que tu as bu. Tout de suite. Chaïma aime pas ça. Qui est le plus romantique? Wow. Moi, franchement, je ne suis pas tombée sur un homme qui est vraiment romantique. Hein. Chaïma. Entre nous deux, on nous place. Qui est le plus romantique? Ou bien entre nous cinq, entre nous trois, je ne sais pas, choisir. Qui est le plus romantique? C'est moi ou bien c'est l'ex? C'est personne. Non, tu bois. Si c'est personne, tu bois pas. Non, hein? Attends, je réfléchis. Mais je dirais quand même un peu toi. Faut pas parce que je suis là. Non. Ok.
En fait, je regarde. Qui est le plus arrogant? Genre, le plus impoli? Toi? C'est une question. Moi, je suis impoli. Est-ce que c'est une question? Moi, je suis impoli. Florian, on se connaît. Qui est le plus attentionné? Mais en vrai, ton ex, il n'avait rien, en fait. Je comprends pourquoi tu l'as largué. Tu vas pas que tu fais tout ça parce que t'es mon mari. Damn! Ah. Je te suis que t'allais faire un truc. Qui est le plus jaloux? Oui. À la santé. Bon. Toi, tu t'en fous. Pas que je m'en fous. Si. Mais non, pas que je m'en fous. Pas que je m'en fous. Mais c'est juste que je ne prends pas tout à cœur. Mais c'est pas que tu ne prends pas tout à cœur, tu ne prends pas du tout à cœur. Tout. Il n'y a même pas une fois où tu m'as montré que tu étais un peu jaloux. Donc en gros. Même bon, si je suis jaloux. Pourquoi? Non, même si tu vois que. En fait, je ne sais pas comment. Je sais que certaines filles. Qui sont dans la même relation que moi ou genre leurs mecs ne sont pas jaloux, c'est vrai que des fois ça c'est un peu bizarre qu'ils soient pas jaloux parce que franchement moi j'aimerais que des fois ils soient jaloux mais lui il est pas du tout genre on peut me faire draguer dehors, ils sont fous. Oh, j'ai on peut m'envoyer des messages. Arrête. Un peu t'as pas de curie. Non mais arrête, je vais pas m'arrêter là et puis quelqu'un va la draguer. Par contre, mais en fait par contre si lui la seule chose qui peut genre péter un plomb et tout, c'est si on m'insulte, si quelqu'un dehors m'insulte ou autre chose, tu vois. Mais question de jalousie, franchement, Florian ne l'est pas du tout. Et moi, des fois, ça me dérange qu'il ne l'est pas parce que peut-être que il y a plein de personnes qui m'envoient, genre des mecs qui m'envoient des messages et tout. Lui, il va pas dire genre, même si c'est pour rigoler, oh, arrête de parler avec lui et tout, il va pas le faire. Lui, il s'en fout que tu parles avec un mec ou pas. Mais je vais pas t'interdire de parler aux gens, genre. T'as pas compris, genre, c'est pas question de. On est en train de marcher. Bon, attends. Si on marche et que quelqu'un t'arrête pour te parler, ben moi, il me fait perdre mon temps. Là, je lui dis, ben désolé, nous, on est en train de partir. Tu vois? Et toi-même, c'est toi qui dois être à même de lui dire, ah, ben désolé, je suis avec mon mari, on est pressé. Mais si la personne t'arrête et puis toi, tu fais, oui. Ah, je cherche le Carrefour. Moi, par contre. Le Carrefour, c'est là-bas. Non, mais moi, par contre, moi, je lui dis, moi, par contre, moi, tout le monde le sait. C'est pas caché. Je suis jalouse. Même si il like, même si il like une photo d'une meuf, que ce soit ses copines ou ses amis, hey, tu likes pas. Parce que moi-même, il like pas mes photos. Donc, du coup. Pardon, de ceux qui nous suivent sur Instagram, allez-y, voir si je like pas ces photos. Donc, du coup. Moi, je like pas tes photos, je like les photos de qui. MDR, c'est devant caméra tu dis. Non mais franchement, il est comme ça. Shaima, arrête de gâter mon. Non mais j'aimerais bien qu'il soit un peu jaloux, tu vois. De toute façon, il est un peu jaloux, il me fait genre, oh j'aime pas quand tu fais ça. C'est comme ça, ton ex était quoi. Pas comme ça, mais en fait lui, il réagissait. Même si quelqu'un, même si un mec m'envoyait un message ou genre, je parlais avec quelqu'un, genre. Même pas de lui avec passion. Je sais que quelqu'un. Bref, qui fait le plus de pieds? C'est ça. Qui fait le plus de dingueries? Dans quel sens? Genre qui est le plus foufou. Qui est le plus beau? Bon, moi je sors pas avec des vilains, donc je bois pas. Qui est le plus beau? On a pas. Oh, je bois pas. La question c'est entre vous deux. Florian, sur ce que je là, je bois pas. Moi, je sors avec des mecs. Mais moches. Oui, il y en a pas des que. Si je suis sortie avec toi, c'est que t'as. Entre nous deux, oui, nous deux, on est beau, mais qui pour qui dépasse pour qui? Ça, pour qui dépasse pour qui? Telle est la question. Attends, il va me placer. Toi,
c'est quelqu'un qui a des problèmes que moi, quoi. Tout le monde a des problèmes, gars. Il faut avoir des problèmes. Bah, j'ai rêvé. Faut pas me détourner de mon but. Comment on donne? Ne me détourne pas de l'objectif. Qui pour qui, pour beauté de qui dépasse pour qui? Ah, j'ai jamais réfléchi autant sur une question. Mais qui t'a dit que je réfléchis? J'ai c'est pour lui, faut prendre pour les gens boire. Mais qui t'a dit que je réfléchis? Bon, faut répondre à lui. Je vais juste te faire perdre du temps. Tu es sûr que c'était moi? Que c'est moi? Ouais. Hein? Oui. Bon. Est-ce que j'allais me marier avec toi? Hein? Ah, on sait jamais. Peut-être te marier avec moi pour mon argent. Quel âge? Qui est le plus fidèle? Oh, j'ai quitté à cause de la tromperie. Pas de bif au bois. Le but. Qui danse le mieux entre nous deux? Le verre est fini. Bon, c'est t'as bon. Gagné. On va arrêter. C'est bon, regardez. Regardez. Bon, j'ai bu un peu pour lui. Ben oui, parce qu'il est jaloux. Fin de la vidéo, les amis. On espère qu'elle vous aura plu. Enfin, on a voulu jouer à ce jeu que j'ai trouvé assez intéressant. Donc, peut-être qu'il y aura un... Ouais, deuxième partie pour lui. Lui, il va dire qui est le plus stylé entre son ex. Et elle va dire, il va dire à son ex que... Bref, donc, coup, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, laissez les pouces bleus. Retrouvez-nous sur Instagram. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et bisous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.